أعزائي الطلبة حياكم الله، نواصل دائما مع مقياس كاركتيريزاسيون اي اناليز دي ماتيريو. Alors nous sommes arrivés à l'essai de traction dans la deuxième partie. Alors je vous rappelle ce que nous avons déjà vu auparavant, la machine de traction. Alors on a tracé la courbe de traction, c'est la force en fonction de l'allongement delta L ou bien la contrainte en fonction de la déformation epsilon. Et puis, nous avons vu la déformation nominale et aussi l'extensiomètre avec ou sans contact pour déterminer l'allongement de l'épreuvette normalisée. Et nous avons vu aussi les propriétés conventionnelles, les S0 et L0, et aussi les propriétés vraies ou bien rationnelles. Alors, la contrainte, on a expliqué la différence entre la contrainte et la pression, comment calculer la contrainte, la déformation epsilon, ici c'est de l'intégrale, on a trouvé ln 1 plus epsilon, etc. Et puis, on a parlé de domaine élastique réversible et où on se lâche ou bien supprimer la force, la longueur de l'épreuvette revient à son état initial. Et puis le domaine irréversible, ici on a parlé d'un domaine irréversible. On a expliqué aussi le RE et le RE02, rappelez-vous. Ici, sigma élastique, la contrainte élastique. Et ici, on a parlé qu'il y a linéaire ici, un peu linéaire comme celui-ci. Et on a parlé aussi de phénomène d'écruissage et c'est quoi l'écruissage, etc. Et puis, nous avons parlé aussi de modèle de Prager. Alors, on va continuer maintenant. Je vais résumer. Donc, au moment où je tire au départ, c'est le ressort qui s'agit, se déforme et se déforme arrivé au bout de sa déformation maximale. Alors, il ne peut plus déformer, mais la contrainte a atteint la contrainte du patin. À partir de moment-là, le patin va se mettre à glisser et donc ce glissement au niveau de cette contrainte va bien augmenter. Alors, la déformation augmente, alors que la contrainte, elle reste constante, ou bien activer le glissement. Donc, que vous la contrainte seuil à atteindre. On a vu avec la loi de Hooke, donc sigma égale E fois epsilon, dans la contrainte fois epsilon, ou comment on a connu la contrainte. Tout simplement, on faisait le E fois epsilon élastique et que qui permet d'obtenir cette contrainte. Alors, on a parlé de contrainte de seuil. C'est bien un sigma. Alors, regarde maintenant dans la deuxième partie. On voit ici qu'il y a une augmentation delta contrainte avec la déformation. Alors, on a plutôt une allure courbe et non pas linéaire. Donc, en première approximation, on dit que si c'est une droite, on peut prendre ce choix. Donc, voilà, ici, à ce point-là. Alors, le comportement, pardon, je reviens. Alors, à partir de cette contrainte, va être linéaire en première approximation. On peut donc imaginer mettre en place un comportement linéaire représenté par un ressort. Alors voilà, par un ressort à partir du moment où on a atteint la contrainte seuil. Or, si on reprend le raisonnement qu'on avait vu au tout début, la science présidente, alors je vais donc avoir une contrainte seuil atteinte. Donc il y a une augmentation de la contrainte avec une déformation globale. Alors, total ou bien global, qui dépend de cette contrainte, alors, et de la pente, on va utiliser pour donner né arrêt dans ce cas-là, on va utiliser plutôt un modèle, un autre modèle parallèle, c'est ce qu'on a ici, donc, on appelle le modèle de Prager, ici, donc, Prager, pardon.
Alors, par exemple, on parle de la plasticité de type linéaire. Donc, on essaie de décrypter, ou bien, pardon, décrypter. Et on a au bord de système, les deux bornes de ce système. Alors, en parallèle cette fois-ci, la déformation est homogène sur l'ensemble des éléments. Donc, on a une déformation homogène. La déformation au bord de ce système, c'est la déformation de chacun des éléments. Alors, par contre, la contrainte, bien sûr, ça va appliquer à chacun des éléments. Donc, première chose, je ne veux pas voir la formation globale, ce qui est et des deux éléments se déforment. Alors, quand j'atteins la valeur seuil, on peut avoir des formations, toute la structure se déforme. Et les déformations bornes et du ressort et du patin est indiqué dans ce cas-là. Alors on comprend ici que cette contrainte va mettre en mouvement l'ensemble de la déformation globale du système. Alors c'est lié à la déformation du ressort et au niveau là, on peut dire que la déformation du patin jusqu'aux bornes. Les déformations des deux ensembles sont parfaitement identiques. Alors, on peut dire aussi que la rupture au bout d'un certain temps, mais une mise en parallèle qui permet un déplacement à partir de seuil de déclenchement de la déformation possible. Ici, on parle d'une rupture première. C'est pas la rupture finale qu'on va parler par la suite. Alors, dans ce cas-là, un ressort élastique, typiquement là, on pourra avoir, par exemple, un ressort élastique suivi la pente ici. Donc ici, comme vous voyez, alors je mets le résumé ici. Donc ici, c'est suivant la pente, on aura donc une déformation résiduelle et on se rend donc on compte une augmentation dans la contrainte avec la déformation et qu'on fait un retour en déformation plastique qui est permanente ici. Donc, alors, on parle ici de phénomène d'écruissage qu'on a déjà expliqué auparavant. On aura donc un durcissement local par cette augmentation de la contrainte. Alors, la contrainte va augmenter. Donc, quand je vais faire un retour élastique, donc la plasticité résiduelle, donc c'est nommé cet écruissage. Donc là, typiquement, c'est une façon de représenter l'écruissage en supposant que la partie qui est ici est homogène. Donc, à une droite, alors, c'est pas le seul modèle qui existe dans le modèle de Paget. Il ne fait partie que l'ensemble des modèles qui existent. Donc, dans l'altérature, il existe plusieurs modèles qui peuvent mettre en place de façon un peu plus fine de cette partie des décruissages. On va rester sur la notion, vous voyez bien ici, j'ai zoomé ici, on va rester sur la notion de plasticité linéaire locale dans la zone du co-visage. Donc, et on va essayer de regarder maintenant ce qui se passe quand cet écluissage va augmenter. Donc, pour expliciter cette loi, la contrainte avec la déformation, on vient de dire qu'on avait dans le type de matériau qui est présenté ici et du type des aciers. Donc, typiquement un acier doux. Les aciers doux, par exemple, une partie élastique et une partie plastique parfaite. Alors, une partie plasticité linéaire, donc c'est-à-dire dans le cas général, cette plasticité parfaite, qui est là, c'est quelques matériaux qui sont capables de mettre en place. Alors, on regarde un petit peu plus classique. Donc, le cas qui suit, on aura juste après l'élasticité, l'écluissage, la zone d'augmentation de la contrainte avec la déformation.
Donc la deuxième zone. Donc par exemple une zone d'écrouissage. Alors on prend cette partie-là et on n'a pas l'écoulement. Donc qu'on peut dire, imaginer un modèle qu'on a dit jusqu'à la zone qui arrive à la contrainte seuil. Alors on va basculer dans le modèle de la plasticité ici. Donc ici, le deuxième domaine. Alors, et on va dire que la plasticité de type parfaite, dans ce cas-là, on peut faire un modèle qui va prendre l'élasticité et plasticité parfaite. Donc, un modèle parfaite. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre de l'élasticité et la plasticité. On va faire tout simplement la première partie du modèle précédent, donc était ressort de troisième, donc était le montage en parallèle de ressort ici. Alors, dans ce cas-là, on voit bien que première action, assez de ressorts qu'il s'agit, et puis une valeur de déformation maxi. On dit déformation maxi. Alors, de ressort de cette déformation maxi, alors la contrainte maxi ici permet déclencher l'activité glissement du patin. Et dans ce cas-là, la partie de ressort va engendrer. Donc, engendrer purement les linéaires de la plasticité. Donc l'élasticité linéaire et plasticité de la deuxième étape, on considère une droite, donc comme une droite en première approche. Si on continue la partie écrouissage pour y continuer, on rajoutait des éléments de type, on peut dire, alors ici, il y a différents types de modèles. Donc là, la prochaine approche est un petit peu différente, qu'on va considérer la première partie élastique comme un montage ressort seuil. Et toutes les parties qui suivent de la même façon un montage au ressort seuil, ressort seuil. Donc, si on continue à l'écriture, on considère que le module de Young, rappelez-vous le module de Young ou bien le module d'élasticité, sera un premier ressort ici. Donc, c'est un premier ressort. Alors, on serait avec un patin pour commencer l'écrouissage. Donc ça, c'est le second seuil. Alors, on va voir de nouveaux ressorts en série avec un patin, c'est-à-dire un modèle global qui s'appelle le modèle de Saint-Venant généralisé. Alors, et puis, après cette étape ou bien ce domaine, au bout d'un certain temps, si on augmente la force, c'est-à-dire la contrainte, au bout d'un certain temps, qu'est-ce qui se passe? Alors, on va voir un point maximal qui va apparaître. Donc, on a un point maximal qui va apparaître, un comportement très particulier qui va apparaître. On le voit ici, donc dans le dessin, une chute brutale. Donc nous avons une chute brutale de la section. Alors la section vraie. Alors en fin de compte que la forme de notre prouvette initiale n'a pas évolué dans sa géométrie globale. Ça veut dire que les déformations axiales et l'ensemble des contractions qui existent font que la déformation globale en volume et en longueur reste parfaitement homogène là. Donc, par contre, si on rend compte qu'il arrive à un point, dans le point ici, donc, voyez bien ici, on va parler de la striction. Avant ça, alors, rappelez-vous qu'il y a un domaine qui n'est pas homogène, hétérogène ou bien inhomogène.
Ça veut dire donc on peut plus parler de déformation globale homogène, puisque localement on a un point qu'on appelle une zone de striction. Donc voilà, c'est une zone de striction ici. Alors voilà la zone de striction. On va définir la limite qu'on appelle sigma m. Alors que la voit parfois écrit de Rm. Alors ici, la résistance maximale ici, de Rm, la résistance, ou bien la contrainte Rm. C'est la même chose. Alors ici, je vais parler de la striction. Alors, typiquement de sigma m ou bien Rm, donc résistant en traction, c'est également, on appelle aussi limite de traction. On l'appelle également contrainte ou bien résistance maximale. D'où le M que vous avez donc, ça veut dire que la sous-charge, alors la déformation totale, ce chargement avant le mode de striction. Avant le mode de striction, voici ici, il y a le mode de striction. Donc, ce mode de réduction très violente de la section. Donc, typiquement, à ce moment-là, on a la section vraie et déjà complètement différente du reste des sections qui peuvent être au-dessus. Alors, surtout, naturellement, ça va venir très, très, très faiblement par rapport à S0. Vous voyez bien que S est très, très inférieur à S0. Ici, ce début de striction, on a parlé de mode de striction, et ça va justifier la diminution. Vous voyez ici, c'est de Rm, ou bien sigma m. Et ici, à ce point-là, nous avons Rm, RR, ou bien sigma R, c'est de la rupture ici. Donc ça va diminuer à cause de quoi? À cause de striction. Alors ici, c'est la déformation avant striction. Faites attention, ici, nous n'avons pas la rupture finale. Hein? D'accord? Alors, ça, il faut garder toujours les notions, la loi de Hooke, sigma égale E fois epsilon, et c'est quoi le phénomène d'écrouissage? Alors, durcissement de matériaux, on a déjà expliqué c'est quoi l'écrouissage, déformation plastique, durcissement des matériaux. Alors, mais pour les polystyrènes. Alors, je vais continuer de striction. Donc, on est ici dans un domaine vraiment qui n'est plus homogène. Donc, si on continue le chargement, c'est-à-dire la force va augmenter, le chargement du système. Donc, si on continue à déformer à partir du moment où on rentre dans la striction, ici, donc dans la striction, sinon on va arriver à la rainure de matériaux. Alors, donc, on va arriver à la rupture finale. Alors, j'insiste à ce mot-là, rupture finale. Ici, donc on peut dire ici rupture première, ici rupture finale. Ici, c'est déformation totale. Ici, ce point-là, c'est la déformation totale. Donc, je parle ici de la rupture finale à la fracture du matériau. Alors, pourquoi j'utilise ce mot fracture? On va remonter juste un petit peu qu'on a déjà vu, la réduction de la section. Donc, ici, on a une réduction de la section. Donc, c'est le mode de striction. Alors, ici, donc on va voir très localement un mode qui va être très particulier. Donc, il va être un mode par déchirure. Et donc, le point ici, c'est amorce le début de ces déchirures internes. Alors, c'est pour ça, parfois, ce point ici, de même qu'on appelle limite attraction, il est limite attraction résistance. En traction, limite maximale, on appelle également limite à première rupture. Donc, à première rupture. Alors, on appelle rupture pour distinguer de la zone de limite de traction. En traction,
Donc, on va parler de rupture, sous-entendu fracture, rupture finale. Rupture finale, donc naturellement, à ce point-là, on a une déformation totale. Donc ici, on a une déformation totale. C'est-à-dire, la rupture finale va vraiment s'échapper. On va avoir décapitation dans la zone de striction de la pièce. Et en fin de compte, on va cumuler les arrachements qui ont été mis en place. Et nous allons donc décapituler la zone de striction. Zone de striction ici, donc qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer la section finale après rupture. Alors cette section finale, on va utiliser pour définir qu'on appelle le coefficient de friction. Alors coefficient de friction, voici le coefficient de friction Z, on peut le calculer par S0 moins SF sur S0. Alors on peut le calculer par pourcentage, donc fois 100. Donc voilà, on va utiliser pour définir qu'on appelle ce coefficient de friction. C'est-à-dire de combiner le matériau, c'est rétrécir localement au moment où il cassait, c'est-à-dire jusqu'à il était capable de réduire sa section. Donc, on va définir le coefficient de striction. Donc tout simplement Z qui sera donc S0 moins SF. Donc ça c'est la valeur de ou bien le coefficient de striction de pourcentage ou bien valeur. Donc vous ferez mesurer la section, vous mesurez la section finale après rupture et vous pourrez donc naturellement réduire le Z en pourcentage qui est regardant le delta l'attraction la pardon le coefficient de striction. Alors rappelez-vous le domaine 1 donc c'est des formations homogènes réparties et le domaine 2 ici. Donc, c'est des formations inhomogènes de striction et aussi de ductilité. Ici, de ductilité A, on peut mesurer la ductilité oui, ou bien la déformation A bon, est égale LF moins L0 sur L0L de fissure. Donc, ici, on peut mesurer par valeur numérique ou bien pourcentage. C'est la même chose pour le coefficient de striction. Donc, on considère qu'au début de l'essai de traction, on a une déformation homogène ici. Donc, on a une déformation homogène réversible, donc élastique. Dans la seconde partie, ici, on a appelé l'écrouissage, phénomène d'écrouissage. On va avoir des déformations homogènes globales qui elles seront irréversibles. Donc, il est ici irréversible dans ce domaine-là. Alors, au moment où on passe à striction, qu'on a déjà expliqué auparavant, le mode de striction, on dira que les déformations qui sont irréversibles. Alors toujours, puisqu'on est plastique, sont par contre parfaitement inhomogènes. Ici est inhomogène, donc irréversible toujours. Donc si on regarde un petit peu ce qui se passe là, on a déjà défini le coefficient de striction. Donc dans cette zone. Alors ici, dans cette zone-là, donc faites attention là, je mets pile poulie au point que nommé epsilon r ici, ce point-là, c'est epsilon r. Alors r rupture, donc total la rupture. On n'a pas cassé, on n'a pas encore ici, on n'a pas encore cassé, c'est-à-dire que nous sommes toujours sous charge au moment où la pièce va donc le epsilon r. Bon, un petit chouïa juste après l'epsilon R qui était ici. Alors,
Pas évident sur un point de dire quel moment se casse, mais ça veut dire qu'on est à ce point un petit peu chouïa, juste après, on se positionne de l'épreuvette a été décapité. Donc là, plus de points de mesure possible. Donc, à un moment donné, un bruit, vous allez entendu ici. Après rupture, on a entendu un bruit. Vous allez entendre de la machine ce bruit-là. Va correspondre notamment à un retour élastique de la pièce ou bien de l'éprouvette. Alors, vous voyez bien, on remarque ici la longueur ici, après rupture ici. Donc, il y a une diminution, le rouge et le bleu ici. Donc, je vous rappelle qu'au fur et à mesure que vous déformez le matériau, il se plastifie. Mais ce n'est pas parce qu'il se planifie parce qu'il n'est pas élastique interne. En réalité, l'élasticité se déplace. Alors, à cause de quoi? Donc, normalement, à liaison interatomique, les liaisons dans le matériau, des liaisons interatomiques, se reforment au cours de la plasticité. On a glissement, donc on a un glissement, mais on récrit des liaisons. Donc, pardon, on a la zone de striction que la fameuse formation de ces déchirures internes. On a parlé des déchirures internes, on a quand même également des glissements internes. Donc, on recrée, c'est-à-dire créer encore une fois, la liaison locale. Donc, on a toujours l'élasticité. Ça veut dire que le matériau, quand il va casser parce qu'il n'est pas plus exprimé de plasticité, mais il va casser parce qu'il est devenu purement fragile. Donc, gardez le mot fragile et ductile. Donc, ces termes très importants. Alors, dans le dernier mode d'existence de ce matériau, il a un matériau va être purement élastique. Alors, quand il va casser, une longueur finale, nous avons la longueur finale de l'éprouvette. Donc, vous rendre compte que la longueur qui était ici sera plus petite que la longueur finale. Quand il était encore sous la charge, donc faites attention, ne confondez pas la longueur à rupture ici. Donc voyez bien ici, c'est LLF et LLR plutôt, LF après rupture ici, et ici toujours sous charge, ici sous charge, et ici après rupture. Donc s'il vous plaît, ne confondez pas la longueur à rupture quand on est encore sous charge. À la longueur finale, après rupture, quand la section a rompu, c'est-à-dire rupture. C'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que, comme vous allez voir, alors on va voir par la suite. Donc c'est un gradeur que s'appelle la ductilité. Gardez sûrement ce terme de la ductilité. Alors, remarquez, on va remarquer l'allongement final. Il dit que on a prononcé le mot final. Je vais me poser la question de savoir qu'est-ce que j'entends de ce terme. Très souvent, le mot final, quand je vais avoir le F, gardez dans vos têtes aussi fracturé. Donc là, l'éprouvette à L, la longueur L0, a été décapitée. Donc là, ça sera la longueur. Son battement élastique existe encore sous charge, juste avant que l'éprouvette ou bien la pièce soit décapitée. Donc faites attention, différenciez bien la longueur qu'on est sous charge et élevez la longueur une fois que votre pièce a cassé, après rupture. Vous la mettre bout à bout, vous obtenez la longueur finale après rupture. Donc, s'il vous plaît, ne confondez pas les deux parce que il y a beaucoup des examens et des exercices dans ce jour-là. Alors, je veux dire un instant que on regarde cette fois-ci que la formation. Là, plutôt chargement, c'est-à-dire que on va élever
Recouvrement élastique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on élevait en considérant que le module ne voulait pas pendant le chargement plastique. On va prendre ça comme hypothèse théorique, on va dire voilà le module de Young et conserver toujours. Donc, gardez dans vos têtes que le coefficient de Poisson, qu'on va l'étudier tout de suite, et le module de Young, tout ça sont des paramètres intrinsèques de ce matériau. Alors, le module de Young, c'est le même, un matériau. C'est le même, la même valeur et le même module de Young. Parce que on est toujours des liaisons interatomiques. Parce que pourquoi? Parce que ces facteurs ou bien ces paramètres reliés par la liaison interatomique, la nature des atomes qui existent, donc conservés donc bout à bout, qui est conservateur de la longueur de module de Young par temps. Alors je vais commencer. Alors ce point-là, Max. C'est la contrainte maximale. Et ici, à ce point-là, c'est la contrainte de la rupture. Ici, c'est la même chose. Ici, c'est epsilon rupture. Et ici, c'est epsilon R. D'accord? Alors, je vais continuer maintenant. Alors, ici, ce point max, cette déformation qu'on peut appeler epsilon M. Mais vu que on a de l'élasticité, en réalité, notre éprouvette va provoquer un retour de déformation. Donc, nous avons un retour de déformation ici. Ça veut dire que la zone qui est ici, donc, correspond bien à une déformation de type purement élastique ici. Donc, ça veut donc dire que on regarde à ce point-là de ici de sigma m. Epsilon M. Alors, je comprends que la déformation sous charge donc arrive à epsilon R. Par contre, si je lâche le chargement, je vais avoir un retour élastique. Donc, le matériau ou bien l'éprouvette va. Alors, rappelez-vous, on a fait le ressort en matin. Donc, un retour élastique va revenir à une certaine position qui était ici. Donc, voilà. Alors, ça correspond à une déformation de type élastique. Donc, nous avons aussi un retour modulaire avec justement l'élasticité du ressort. Donc toute la zone qui était ici, donc toute cette zone, donc correspond bien à une partie de déformation de type élastique. Par contre, la partie résiduelle, alors correspond bien à une partie où la déformation se charge. Donc en ce point-là ici, on voit que la déformation totale arrivera. Donc, on a un epsilon m max. Donc, mais je décharge d'ailleurs, si je décharge encore une fois, alors on élève la charge au niveau de de cette traction. Donc, on va voir un retour élastique jusqu'à ce point-là. Donc, grâce au retour du module module de Young. Donc, qu'on a dit qu'il est constant. Donc, on va dire que toute cette partie correspond bien à une déformation de type élastique. Par contre, si je m'intéresse maintenant à la zone résiduelle, donc toute la partie, on va avoir au moment où là directement une déformation de type plastique, donc le résiduel qui existe. Donc, une permanence de déformation. C'est une permanence de déformation que j'associais donc un comportement purement plastique. Donc, ne confondez pas, comme j'ai dit à tout à l'heure, donc la déformation sous charge et la déformation hors charge. Donc voilà, donc si on continue de la même façon de notre raisonnement, on prend donc la partie ici, la déformation homogène ici. Donc nous avons une déformation homogène.
ou bien réparti ici. Alors, ici, c'est domaine purement plastique. Alors, à ce niveau-là, donc la partie qui va être ici, donc la zone que je vais appeler 2, ici, numéro 2, alors va être la quote-part plastique en déformation inhomogène. Donc, il n'est pas homogène ici, c'est inhomogène ou bien striction, comme j'ai dit tout à l'heure. Alors, qu'on va appeler le comportement de striction. Alors, vous aurez ici la déformation de type striction, et dans ce cas-là, la fameuse ductilité, donc la notion de ductilité, gardez chaudement ce terme, la fragilité et la ductilité. Alors, je vais parler de tout de suite que je vais rappeler la ductilité, c'est quoi? Vous pouvez écrire, la ductilité, c'est la capacité de matériaux à se déformer plastiquement. Eh bien, on va pouvoir lui donner une valeur. On va dire que cette ductilité vaut toute déformation plastique qui couvre le domaine homogène. D'accord? Donc, ça, c'est la définition de la ductilité. Gardez cette définition. C'est la capacité d'un matériau à se déformer plastiquement. Alors, et aussi dans le domaine homogène, et couvre le domaine homogène et aussi le domaine de striction. Alors, on voit que qu'on n'a pas mis la flèche ici, donc ici. Donc, on n'a pas mis une flèche ici dans ce domaine. Donc, retrocher le code barre élastique qui était ici. Alors, donc on dira que cette capacité se déforme plastiquement va valoir quoi? Epsilon R. Alors, voilà, epsilon R qui était ici. Donc, on dira que cette capacité se déforme plastiquement va valoir que epsilon R, le code barre d'élasticité. Alors, une autre façon de le vouloir, c'est on prend la longueur finale. Donc, comme on a vu l'épreuvette auparavant, alors, pardon, ça marche pas. Je reviens ici. Voilà. Donc, on prend la longueur finale de l'épreuvette après rupture. Alors, on a appelé que j'ajoute les deux bouts après rupture. Je connais maintenant la longueur finale. On peut donc regarder le delta L avec la partie initiale. D'accord? Alors, pour l'instruction de tout à l'heure soit exprimée directement de delta L, donc ici, c'est comme le coefficient de dilatation, LF de fissure moins L0 de initial A, ou bien en pourcentage, voilà, regardez directement le pourcentage, et bien sûr, n'oubliez pas le facteur fois 100 qui est ici, donc une mesure directe de la longueur à la fissure. Donc voilà. Alors, gardez ces informations, domaine élastique, domaine plastique, domaine hors charge et sous charge. Donc ici, c'est toujours cette zone de déformation homogène ou bien répartie. Et dans cette zone, c'est inhomogène ou bien de striction. Ici, de striction, comme on a vu sur l'épreuvette. Donc ici, donc nous avons aussi la ductilité dans ce domaine A, c'est A. Ici, c'est le A. Ici, c'est sigma M. À ce point-là, c'est epsilon M. Ici, c'est epsilon rupture, voyez bien. Alors, ça, c'est pour déterminer la pente et le module de Young et le domaine d'élasticité. Gardez toutes ces informations. Alors, je vais continuer d'expliquer un peu. Alors, avant de continuer, je voudrais revenir à une chose importante. Laquelle? Donc, ici, on peut déterminer le module de Young dans ce domaine-là. Alors, cependant, parfois ici, c'est le point de sigma E, la contrainte élastique, ou bien RE. Parfois, faites attention, on ne peut pas déterminer le sigma E ou bien RE. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le RE02 ou bien sigma 02.
Donc 0,2, ça veut dire quoi? Ça veut dire que epsilon est égal à 0,2%. Epsilon ici égale 0,2%. Ça veut dire 0,002. Alors on prend le 0,2 ici. Et si vous avez, par exemple, la force en fonction de delta L, vous prenez le delta L, combien est égal? Epsilon est égal delta L sur L0. Donc, vous pouvez trouver le delta L. Donc, delta L ou bien epsilon de 0,2, par exemple ici, on met le parallèle. Donc, on met parallèle une ligne droite parallèle à cette ligne droite de la pente. De module de Young, et on va trouver ici le RE0. D'accord? Ça, c'est pour déterminer la valeur RE0 conventionnelle. Alors, ça, c'est pour les propriétés conventionnelles qu'on a déjà expliquées, et rationnelles ou bien vraies ici. Donc, voyez bien ici, on a expliqué ce point-là. Je vais zoomer à ce point-là. Le RE élastique ou bien RE0. Je vais noter une chose que dans les verres et les céramiques et les matériaux fragiles, on a seulement ce domaine-là, déformation d'élasticité réversible. Donc ce point-là, c'est le rupture. RE égale R max et c'est de la rupture. C'est directement. Donc on n'a pas le phénomène d'écrouissage. Généralement, ça, c'est une ligne droite pour les matériaux fragiles. Voilà. Donc, je pense que je vais arrêter ici. Garder ces informations. On va continuer après que. La prochaine fois, l'énergie absorbée par le matériau, le Z, etc., le comportement, vous voyez bien la contrainte, comment s'augmente la contrainte, comment on peut l'appliquer ici. Il y a une diminution, les chutes de contrainte, les crochets ici, le point 7, etc. Donc le module de Young, tout ça. Donc, l'énergie plasticité, comment le calculer, surtout l'énergie d'élastique et l'énergie plastique. Donc l'intégrale, et ça, on va voir les limites d'élasticité, la résistance en traction, la déformation maximale et les matériaux qu'il existe, et aussi le module de Young. Je voudrais juste noter une chose, que le module de Young, qu'on a dit que c'est une propriété intrinsèque de ce matériau. Donc il est constant, parce qu'il est lié de la liaison interatomique. Donc, généralement pour les acides, donc c'est ça, c'est exprimé en mégapascal, c'est 210 000 mégapascal, donc on peut le transférer en gigapascal, donc fois 10 puissance 3, divisé par 10 puissance 3, pardon, et les polymères, donc polyamide, etc., nylon, le caoutchouc ici, alors chaque matériau a son module de Young et aussi coefficient de Poisson. On va parler par la suite de coefficient de Poisson qui est égal, coefficient de Poisson est égal delta D sur D0 sur delta L sur L0 avec la valeur absolue. Parce qu'il y a une diminution de diamètre et il y a une augmentation de la longueur. Donc, le coefficient de Poisson est égal delta D sur D0 sur delta L sur L0. Donc, le diamètre sur la longueur. Donc, pour la majorité des métaux, pardon ici, non, je pense ici pour la plupart des métaux, c'est pas matériaux. Matériaux, c'est les matériaux. Donc ici, c'est le 1 tiers, c'est 0,3 généralement. Et pour les élastomères, c'est 1 demi. Donc ici, je pense que c'est les métaux, c'est pas les matériaux. Donc le 1 tiers, 0,33, etc. pour les aciers notamment. Alors le coefficient, bien sûr, c'est un rapport, donc sans unité. Donc, il n'y a pas d'unité et que correspondant l'aménagement de la section suite à une traction, après l'essai de traction. Le module de Coulomb, on va expliquer aussi, c'est G est égal E, le module de Young, sur 2 fois 1 plus le coefficient de Poisson. Donc, E, c'est le module de Young ou bien le module d'élasticité. Avec l'unité, bien sûr, c'est de. Alors, ici, donc vous voyez bien, Newton sur millimètre carré, c'est le méga
Pascal. Normalement, vous connaissez tout le monde cette unité. Alors, je pense que je vais arrêter ici. Et voici quelques références que vous pouvez consulter pour bien comprendre ce chapitre. Et voilà ce lien et les livres, et notamment les deux livres de Karl Kettel et William Callister. Et vous pouvez aussi consulter mon livre qu'il existe sur Internet. Vous pouvez me contacter par email ou bien par les réseaux sociaux. Merci pour votre attention. Shukran lakum wa ila al-mara al-qadima inshallah.